dum, tac, tac, dum, tac, dum. Quand le président Gaspard j'arrive à toi nous voir, on m'envoie quelque part, je trouve à la place Figaro, je ne sais pas si vous connaissez la place Figaro, il y avait un animateur qui devait animer. Et on m'a dit que l'animateur il est BT. Vous savez que ça va pas. Le groupe BT, ils sont situés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe ethnique. Le BT, on dit pas animer, il devait tester les micros. On dit non, anime. Il dit va tester d'abord le micro. Ok, teste les micros, il fait ça. Allô, allô, qu'est-ce que nous n'avons pas pour se baigner après vous de non. Les témoins ont tué ça, nous n'avons pas de sort, mais si nous n'avons pas de sort, allô. Chaque tour aura sa prise, prise, prise. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ce matin, j'ai eu comme douleur d'aller à la pharmacie, elle voulait prendre son poids, et elle est, quand elle est rentrée dans la pharmacie, elle s'est mise la balance, elle voit 150 kilos, elle descend. Qui a déjà vu le statut de chef de la terre tourner autour du soleil? Personne. Personne. Même le maître qui nous disait ça n'a jamais vu. Mais si vous avez une bonne petite bouteille d'alcool, vous n'avez pas 3 minutes pour vous rendre compte à l'intérieur de votre tête, effectivement, la terre tourne autour du soleil. Buvons. Vous avez vu quand Jésus-Christ est revenu nous racheter de nos péchés? Quand il est arrivé, il a brandi sa carte de professionnel. Non, je suis profession libérateur, on lui dit fou. Pour nous prouver qu'il était le fils de Dieu, il s'est mis à faire des miracles. Il a chassé les démons, on ne l'a pas cru. Il a fait marcher les paralytiques, on ne l'a pas cru. Il a fait ressusciter les morts, on ne l'a pas cru. D'ailleurs, pour toutes ces démonstrations, on l'a surnommé magicien. Mais le jour où, pour la première semaine après-midi, devant une foule chaleureuse comme vous, Jésus réussit à transformer l'eau en vin. Même les pharisiens se sont prosternés et l'ont appelé pour la première fois Seigneur. Jésus et qui tombait devant un verre de vin, quand le buvait est en train de dire à ses frères, les gars, je vous le dis en vérité, je crois que ce type est le fils de Dieu. Deux fois, trois fois comme ça. Alors, un jour, je lui dis, mais attends, le type, est-ce qu'il a vraiment envie de se coiffer? Ça fait un mois, chaque fois, il vient, il demande, est-ce que tu dis oui, il dit, il va, il revient. Alors, il dit, il faut voir ça de près, tu avais raison. Un jour, le gars est venu me trouver dans le salon là. Il dit, combien de temps il faut à peu près. Le gars était un peu énervé, mais il lui dit, bon, il n'y a pas assez de monde, peut-être une heure. Il dit, bon, d'accord. Il sort, il s'en va. Alors, le coiffeur, il dit à un de ses collaborateurs, il dit, le gars là, il m'inquiète. Il faut le suivre à pas de loup, discrètement, pour voir où il va. Tout lui vient demander s'il s'en va, il faut demander, il faut aller voir où il va. Le gars le suit discrètement, une femme. Et au bout de 40 minutes, je vois son employé, son collaborateur qui vient, les larmes aux yeux, tellement il rigolait. Il était mort de rire. Mais on lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Il t'a fait quoi? Il t'a châtié? Il dit, non, non, non. Le gars, quand il quitte ici, là, il va chez toi. Le gars dit, comment ça c'est moi? Comment ça chez moi? Il dit, mais je te dis, j'étais caché, j'ai bien vu. Quand il est arrivé chez toi, il a sonné, ta femme a ouvert, il est rentré, il a fermé, j'ai attendu 40 minutes. Et après 40 minutes, j'ai vu ta femme ouvrir la porte, il est sorti, il a fermé, elle a fermé, puis il est parti. Donc, mesdames, messieurs, chaque fois quand il vient, c'est pour savoir s'il va là-bas, là, il a combien de temps. Hein? On va faire une réunion. Parce que c'est nous qui vous sommes venus. Voilà. Donc nous, on sait que vous faites là. Nous, on aime ça. Voilà. Donc, nous, on fait ça toujours. C'est petit déjeuner. Mais sinon, bizarre, c'est déjà sorti. Il y a son photo, c'est son nom seulement. Il s'appelle comme un téléphone. Il a déjà fait.